Je t'ai vu quelque part en Occitanie. Vous avez entendu bien sûr Brigitte qui n'a pas pu s'empêcher de parler pendant le générique et son micro était ouvert. Voilà, soyez les bienvenus pour cette émission un petit peu spéciale puisque c'est jeudi. Normalement, on se retrouve tous les vendredis, mais là, c'est une émission spéciale puisque vous allez voir dans quelques instants qu'on a un gros programme ce week-end et qu'on ne pourra pas, dès vendredi, réaliser ce journal. Que se passe-t-il en Occitanie pour ce week-end? Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les événements que Brigitte, qui est en haut à gauche pour le moment, vous a prévu comme événement? Vous allez voir, il y a pas mal le choix. Ma chère Brigitte, quel est le programme de ce soir? Bonjour à toutes et tous, c'est un beau programme comme d'habitude. Nous allons aller à Saint-Jean-de-Védas pour la 31e édition du festival Mardi Grave. Nous allons faire un retour sur image sur le marché de la truffe de Claret. Nous irons aussi en Lozère, en Mende, pour les rencontres nationales de la Loz et de la Pierre Sèche. C'est un événement pas banal. Et puis, nous irons à Sainte-Croix de Quintillargues sur l'expo Artistes Insolites qui se passe ce week-end. Et on ira un petit peu plus loin puisqu'on fait le portrait de l'invité d'honneur. Et il y a un diaporama des artistes qui va vous être proposé également. Voilà. Quel beau programme, j'allais dire un autre truc, donc je me suis rappelé. Je vous rappelle que cette émission était en direct live, bien sûr, sur la page Facebook HTV, le live cross-posté sur nos 24 autres pages, ainsi que nos deux groupes, et en direct live aussi sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on tient à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à aller voir un petit peu ce qui se passe sur notre chaîne YouTube, et puis surtout à regarder et à revoir et à télécharger les reportages qu'on peut réaliser. Voilà, ça c'est dit, et puis bien sûr en direct aussi sur Twitch. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez faire des commentaires, le mieux c'est de passer par la page principale HTV le live, mais si vous nous regardez d'une autre page comme Frontignan TV ou Palavas, vous pouvez toujours faire des commentaires ou faire des petits coucous. Ma chère Brigitte, on va commencer par qui et par quoi? Eh bien, on va aller à Saint-Jean-de-Védas pour la 31e édition du festival Mardi Grave. Alors, le thème de cette année, c'est Basse Olympique. C'est du 2, donc ça démarre dès demain. Au 11 février, c'est Jean Annet, qui est directeur musical de l'association Mardi Grave, qui nous présente cet événement. Et vous allez voir que c'est un événement vraiment qui est super original. Et nous, on y sera. Alors, peut-être on n'y sera pas ce week-end, mais comme ça dure un petit peu sur le mois de février, on va essayer d'y aller parce que Festival des instruments graves, j'en connais pas beaucoup. On va écouter notre ami Jean. Jean, bonjour, ravi de faire votre connaissance, je viens de tomber sur votre événement, et là je suis tombé un petit peu sur les fesses, on va dire ça comme ça, 31e édition du festival Mardi Grave. Alors ça, c'est moi ça m'a impressionné parce que 31e édition, c'est un truc de dingue. Alors c'est la 31e année en fait, c'est 31 ans. Parce qu'en fait, on n'en a pas fait 31 parce qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu quelques... Voilà. Mais en fait, voilà, ça fait 31 ans qu'on défend, qu'on fait la promotion des instruments graves. Alors, c'est voilà, ça qui est original. Ouais. C'est ça qui est super original. Moi, je viens de regarder. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude des festivals avec voilà, des gens qui jouent, etc. Mais là, c'est exclusivement un festival d'instruments graves. Donc, pour mettre en valeur justement ces instruments qui font... des notes super graves, comme la contrebasse, comme la batterie. Oui, absolument, oui, oui. Oui, on a choisi cette idée. Bon, au départ, il faut reconnaître que c'était un petit peu, si vous voulez, c'était l'émanation un petit peu de mon enseignement, parce que bon, j'enseignais la contrebasse, en plus d'être musicien à l'Orchestre National à Montpellier, j'enseignais toujours cette passion d'enseignement, donc j'ai fait ça depuis longtemps. Et puis bon, donc on a fait, l'idée c'était de faire découvrir les meilleurs contrebassistes voilà, au départ. Et puis avec mon collègue Tubis, on s'est dit tiens, on va faire un petit peu le même combat entre ceux qui grattent et ceux qui soufflent. Ouais. Voilà, et donc, et puis c'est devenu finalement, on s'est dit voilà, plutôt que d'avoir, effectivement, comme vous disiez, la plupart du temps on a des thèmes, le jazz, le baroque, voilà, le festival. Bon, là, après il y a des instruments qui ont tous qui ont le festival, que ce soit du piano, de la guitare, etc. Bon, ils ont assez de répertoire pour faire un festival pour un seul instrument. Et nous, on a choisi ça. C'est-à-dire que c'est les thèmes sont transversaux, c'est-à-dire que c'est dans tous les styles différents, pourvu que les instruments soient graves. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait ça va du baroque au jazz, au contemporain, à la variété, peu importe. Mais l'idée, c'est la promotion des instruments graves. C'est-à-dire qu'on met devant ceux des instruments qui sont souvent au fond.
Et oui, non, mais. En non, gros, mais... hein. Et en oui. gros. Oui, non, non, mais comme le trombone ou des choses comme ça qu'on voit, oui, effectivement, voilà. Ouais, on les ouais. voit au fond. Pour une fois, ils vont être mis devant. On rappelle, mardi grave, du 2 au 11 février 2024, ça va se situer à Saint-Jean-de-Védas, au chez du Terral, si je ne me trompe pas. Oui, ça, c'est là le aussi... centre de gravité. Voilà. Oui, et absolument. Là aussi, il y a un thème. Oui, alors bon, chaque année, on essaie de trouver un thème, voilà. Et là, bon, ça s'est un peu imposé à nous. C'est l'année olympique, hein, voilà, 2024. Donc, voilà, on a fait. on est parti là-dessus. Et donc, il y a aussi le thème cette année, qui est un événement qui est très important pour nos amis chinois. C'est l'année du dragon qui commence samedi, la semaine prochaine. C'est le jour de l'an chinois. Donc, alors, on a aussi intégré voilà, cette idée-là, du dragon basse. Donc, on va avoir un petit peu des événements, des musiques inspirées un peu de tout ça. On a associé même ma collègue qui est professeure d'art plastique à Saint-Jean-de-Védas, qui a fait toute une exposition sur le thème des dragons et des contrebasses. C'est magnifique, hein. C'est à découvrir, ça va être génial. Alors, on l'a dit, bien sûr, on met à l'honneur les instruments graves comme la contrebasse, le saxophone, les percussions. Il va y avoir des créations originales, des adaptations, des interprétations, tout ça. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Est-ce que, justement, ces gens qui font partie de la scène, mais qui sont plutôt derrière, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut mettre en avant, justement, une personne qui fait de la contrebasse, qui a l'habitude d'être derrière, est-ce que quand on lui dit, bah, tiens, tu vas occuper le devant de la scène maintenant, est-ce que c'est des fois un peu compliqué? Alors, si vous voulez, c'est l'intérêt d'avoir... voilà. En fait, il faut juste trouver... Ils ne sont pas très, très nombreux, mais il y a des gens qui jouent super bien, qui ont un talent qu'on ne connaît pas, enfin, parce que bon, ils sont par ailleurs contrebassistes normaux, entre guillemets, et ils sont capables de faire des prouesses en dehors de leur vie de musicien d'orchestre ou d'enseignant. Et bon, ben, ces gens-là, on les sollicite. Et puis voilà, c'est les meilleurs, ils sont très forts, donc voilà, ils font ça. C'est difficile, je ne veux pas vous faire la promotion de ce qui est la plus lent, mais faut venir voir. Faut venir voir. Déjà, il y a le visuel, c'est déjà énorme, parce que tous les instruments, c'est beau à voir. Hein. Les tubas, et oui, oui. Et puis, on choisit des gens qui sont un peu hors normes, hein, qui sont un peu exceptionnels. Et oui, c'est pour ça que c'est un festival quand même qui est complètement fou, qui est complètement original. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui viennent de très loin, hein, pour rencontrer. Il y a ce côté rencontre aussi qui est très intéressant parce qu'on accueille des stagiaires. Évidemment, quand on fait se réunir comme ça un petit peu les plus forts, les meilleurs pédagogues, les meilleurs solistes un peu d'Europe, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, il y a plein d'étudiants qui viennent, qui ont la chance, en fait, ils se trouvent à Saint-Jean-de-Védas, ils peuvent rencontrer le soliste du Conservatoire d'Amsterdam, le professeur de Genève, le professeur du Conservatoire de Paris. Voilà, on a des gens cette année qui viennent de très loin. Il y a 4 étudiants de Salamanque, c'est loin, hein. C'est courageux de venir. Ouais. Et en contrebasse, bon, je ne sais pas si vous connaissez les polémiques qu'il y a à ce moment-là avec la SNCF. C'est compliqué de voyager avec. Oui, oui. Oui. Donc, ces gens, voilà. Alors, ces gens-là ont du mérite. Oui, ils ont du mérite, bien sûr. Et puis, tu as le mérite avec, bien sûr, tu n'es pas tout seul à organiser tout ça, avec, bien sûr... Bien sûr, j'ai une équipe magnifique. Voilà, ouais. Avec ton équipe, vous avez cette idée qui est absolument fantastique. En tout cas, moi, qui suis aussi musicien à mes temps perdus, j'ai trouvé ça absolument dingue. Pourquoi Saint-Jean-de-Védas et pas Montpellier ou pas Pérol, par exemple? Oui, alors, bon, historiquement, bon, le festival a commencé à Béziers, hein, c'était en 93, parce que j'enseignais là-bas, hein, donc c'était, voilà, c'est important d'avoir quand même un endroit où on est assez souvent pour pouvoir rassembler un peu les bonnes volontés. Et ensuite, bon, ben, je donne des cours à Saint-Jean-de-Védas, et en fait, c'est un lieu qui est magnifique, c'est le domaine du Terral. C'est tout à fait adapté à ce genre d'événement, parce qu'on a, l'école de musique est attenante au Théâtre Duché, ce qui permet pour nos instruments volumineux, comme ça, d'avoir sur place à la fois des cours, des masterclass, et puis de pouvoir faire le concert. On peut se garer aussi tout près. Ça, c'est quand même... Ouais, c'est important. Pour nous autres, c'est quand même pas un détail. Voilà.
Et non, et puis bon, on a eu un bon accueil là des mairies successives qui nous mettent un peu à disposition cette originalité. Bon, je crois que les organisateurs, et puis bon, sans que les gens, évidemment, on peut pas demander aux gens de tous aimer du jour au lendemain la contrebasse et le tuba, mais je crois que les gens qui nous aident, ils ont conscience que c'est un événement assez unique. Oui. Et que c'est important, vraiment, c'est faut défendre ça. Je dis pas que c'est Et une espèce en oui. voie de disparition, les contrebasses, mais bon, mais Non, voilà, mais... c'est une belle idée. Je crois que les gens s'en rendent compte, et puis ils viennent, hein, ils adhèrent à ça. Et je vous assure que les gens, bon, ils ont jamais forcément entendu ça avant, parce que chaque fois, ça se renouvelle, et ils sont ravis. Et ça, je trouve que j'espère que ça va durer. Parce qu'on se rend compte que quand même, de plus en plus, il y a un manque de curiosité. Les gens, ils préfèrent aller voir ce qu'ils savent déjà, ou ils ont vu à la télé, ou ils savent que c'est bien. Mais bon, la curiosité, il faut vraiment l'encourager. Hein. Et oui, bien Et là, c'est sûr. le cas. Et là, c'est le Et cas. c'est pour ça qu'on tenait Ouais. à faire cette interview et à avoir cet essence. Je vous le rappelle, c'est du 2 au 11 février, des concerts, des adaptations, des masterclass. Enfin, il y a tout un programme que je vous laisserai bien Ouais. sûr découvrir sur le site internet. On rappelle Saint-Jean-de-Védas, c'est en gros à moins de 20 km de Montpellier. C'est, on va Oui, dire, facile à c'est trouver. tout près, c'est tout près, ouais. Facile à venir. Alors, en voiture, bien sûr, vous pouvez vous garer, mais vous pouvez aussi privilégier le Le tramway parce que tramway, ça fait absolument, partie c'est la sûr. ligne de Arret Ouais. Saint-Jean de De Védas, Védas. enfin, ouais. Ça, c'est pour situer le lieu. Maintenant, on va situer parce que les gens ils vont se dire, bon, moi, j'aimerais bien y aller parce que je suis un peu curieux quand même, comment ça, d'écouter un solo de contrebasse, ça doit être un petit peu impressionnant. Il y a une participation monétaire? Alors, pour Saint-Jean-de-Védas, le concert du samedi, alors il se passe plusieurs choses. Ça, c'est la semaine prochaine, hein, Saint-Jean-de-Védas, parce que le festival commence demain déjà, mais et dans d'autres lieux. Enfin, pour l'instant, je vous parle de Saint-Jean. Donc, Saint-Jean, il y a un concert à 18h30 le samedi, qui est un concert du Valencia Bariton Project. Ça, c'est gratuit. Il faut s'inscrire sur le site internet, on peut acheter les places gratuites. C'est une façon d'éviter d'avoir le ticket, enfin, voilà, de faire la queue. Sur le site, on peut tout faire. Et le samedi soir, c'est un concert qui est payant, mais pas, c'est 15-10 euros, puis gratuit pour les enfants, etc. Et le dimanche à 16h, c'est gratuit aussi. C'est le Dragon Bass, le concert de Dragon Bass. Voilà. Et tout ça, je vous invite à découvrir ça sur le site. On peut réserver les places et les acheter directement. Voilà. Eh C'est oui, bien et quand puis... même, même si c'est gratuit, c'est bien quand même d'avoir les places avant. Alors Si c'est juste, la cohue, ouais. voilà. Bien sûr, justement, tu parlais qu'il y a plusieurs lieux. Ça commence donc Oui. demain, vendredi. On a Alors plus ça commence. accentué sur Saint-Jean-de-Védas, mais peut-être brièvement Oui, sur les on va autres lieux. citer, bien sûr, absolument. Demain, ça commence au Gazette Café. Hein, c'est le lancement du À festival. Montpellier. Avec Brice Soniano, c'est un contrebassiste magnifique qui fait un solo. Tu as un trio de jeunes étudiants. Aujadito, ça s'appelle. Et puis ensuite, samedi, c'est à l'église des Saint-François, juste derrière la gare à Montpellier. Dimanche, à Clermont-Hérault. Ensuite, on passe à mardi à la Vérune. Et ensuite, mercredi, on a un concert ensemble de contrebasse, ça c'est rigolo aussi. Ça s'appelle Quatre Bêches, c'est que des contrebasses. Voilà. Un troupeau de contrebasse qui va se produire à salle des fêtes de Anagne. Et jeudi, c'est le ciné-concert. Donc là, voilà, on attaque Saint-Jean-de-Védas. Ça commence par un ciné-concert. Jeudi, on joue. Alors, il y aura un film de Harry Langdon qui est très rigolo. C'est de l'époque de Buster Keaton. C'est un film muet qui est accompagné par deux musiciens. Voilà, les tribulations d'un contrebassiste. Bon, c'est une époque, c'est truculent, c'est magnifique. Et ça sera suivi de Pierre et le Loup. Voilà, donc ça pour la musique. Et il y a un film de Suzy Templeton qui a illustré, c'est un très beau film sur Pierre et le Loup, voilà, donc à découvrir le 8 au Chez Luttéral. Alors, Voilà. on Et tout ça invite... avant donc vendredi en suivant, vendredi 9, il y a aussi un récital à la Cité des Arts, très important, un regazette café aussi avec Frédéric Monino et Léo Chazalet. Et ensuite, on finit sur le week-end dont on parlait tout à l'heure.
samedi, dimanche, à Saint-Jean-de-Védas, au Théâtre Duché. Voilà, bon, c'est un peu long, évidemment, je suis désolé. Ouais. Non, non, mais Jean, il y a tout un programme, moi je l'ai sous les yeux, mais c'est vrai qu'on invite les gens à aller sur le site internet mardigravevoustapez.org, vous allez découvrir toutes les dates, parce qu'il y a vraiment plein de choses, il y a des ateliers pour les tout-petits, il y a des masterclass, il y a, y a vraiment pour tout le monde, et ça va se passer du 2 au 11 février. Exactement. Ah bien sûr, Saint-Jean-de-Védas, on va dire, il se passe beaucoup de choses, mais pas que, on l'a dit aussi à la Gazette, etc., etc. En tout cas, on sera peut-être là avec notre caméra, parce que ça peut être très intéressant d'avoir un petit reportage sur cette programmation. Ouais. Et en tout cas, c'est en intérieur la majorité de ces manifestations, donc là, il n'y a pas de problème de météo. Non, j'espère que non. En tout cas, vous verrez, si vous venez à Saint-Jean, c'est chouette de voir tous ces stagiaires, parce qu'il y a des enfants, il y en a qui jouent sur des minibasses, donc les plus petits, ils ont 8 ans, les tubistes, donc vous voyez des gens qui circulent avec des contrebasses, des tubas, c'est un bon moment. C'est à voir. En tout cas, on essaiera... Les Davidson, c'est les rassemblements de gros cubes. Ouais. C'est un peu ça. c'est ça. Mais version instrument, voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean, et puis on essaiera de faire un petit tour avec nos caméras, parce que ça c'est vraiment, ça éveille la curiosité. Merci beaucoup Jean. Bienvenue, au revoir. Voilà pour l'interview de notre ami Jean, et puis on va saluer Kevin Dupuis qui nous regarde. On peut pas voir tout le monde malheureusement, mais en tout cas on aime bien saluer les gens qui nous regardent comme ça, parce que c'est... une façon de les remercier aussi, aimer, liker, partager, c'est pas que pour nous les amis, c'est pour tous ces gens qui organisent des événements exceptionnels. Et vous voyez en ce moment à l'écran, vous avez une affiche qu'on a laissée, parce que c'est une affiche qui est très importante, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, le 3 et 4 février, Expo Artistes Insolites. On va en parler avec la présidente de l'association Mieux Vivre pour Tous dans quelques instants, mais on laisse bien l'affiche à l'écran parce qu'on vous a réservé plein de surprises. Ma chère Brigitte, on va continuer l'aventure. Oui, alors on va faire un petit retour en image sur le marché de la truffe de Claret que nous avions présenté la semaine dernière. Allez, retour en image direction la truffe. Ça tombe bien, on va bientôt passer à table. Monsieur Mier, alors 16e édition de cette fête de la truffe et du terroir, alors ça dure, ça vient d'où ce succès ? Je ne sais pas d'où vient le succès, mais c'est vrai que c'est la 16e édition. Au départ, cette fête de la truffe avait été lancée par Philippe Bouet. Il s'est un petit peu écarté de Claret, mais je l'ai aperçu ce matin, donc... Ils viennent nous voir de temps en temps. Et puis, c'est le comité des fêtes qui a repris cette fête de la truffe. Vous savez qu'on a un comité des fêtes qui est particulièrement actif. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, parce que toutes ces animations auxquelles ils participent sur la commune, ça crée la vie du village. Bien sûr, nous, la commune, on les accompagne du mieux qu'on peut. Mais on est toujours content quand il se fait des animations sur la commune. Et le comité des fêtes aussi, qui s'associe à cet événement. Alors, parce que ce n'est pas le comité des fêtes qui organise, c'est une association. Oui, c'est une espèce de filiale du comité des fêtes. Voilà, ils ont monté un petit comité de la fête de la truffe, mais qui est en grande partie composé de membres du comité des fêtes. Ils sont soutenus par... la communauté des communes du Grand Pic-Saint-Loup, et puis bien sûr par la commune de Claret. Voilà. Alors, j'ai entendu que cette année, les truffes s'étaient faites rares et donc chères. Est-ce que vous avez constaté ça ? Oui, je l'ai vu ce matin. Effectivement, l'an dernier, je crois que le kilo de truffes tournait à 900 euros et ce matin, elles étaient à 1200 euros. Donc la truffe dans la salade sera un peu plus petite.
Ça devient, c'est l'or, hein, l'or noir. Ben oui, c'est l'or noir. Mais on peut se faire plaisir pour 30, 40 euros. On a une petite truffe, on peut quand même déjà se faire plaisir. Et puis oui, c'est un produit qui est très rare. C'est que des producteurs qui sont venus. Ça, c'est important de le rappeler. Hein. Il y a que des producteurs qui viennent à la fête de la truffe de Claret. Et c'est vrai que cette année, on a manqué d'eau et donc du coup, moins de truffes. Merci. Merci à vous. Et puis vous voyez, quand vous arrivez, le soleil sort. Ah ouais, c'est nous, Happy TV. Voilà, ça doit venir de vous. Voilà pour ce reportage avec toujours ce maire de Claret qui est vraiment d'une gentillesse et d'un accueil. C'est absolument magique de poser nos caméras. Puis à chaque fois, il a toujours ce petit truc d'humour qui est très sympa. Reportage à voir et à revoir sans hésitation sur HTV, la chaîne YouTube HTV, le live. Ma chère Brigitte. Alors, nous allons aller maintenant en Lozère, à Mende, pour les rencontres nationales de la Loz et de la pierre sèche. Alors, c'est pas banal, hein. c'est pas souvent que je vous propose des événements comme ça, mais ça a éveillé ma curiosité. Et donc c'est Nicolas Dier qui est chargé de mission auprès de l'Association nationale des artisans losiers couvreurs qui va nous dire en quoi ça consiste. Oui, voilà. Vous allez voir que voilà, c'est un événement qui est complètement original. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup. En tout cas, c'est un événement qui va éveiller peut-être votre curiosité. Alors je vous rassure, bien sûr. C'est pas là que vous allez faire tourner les serviettes, ça c'est clair. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'écouter et pourquoi pas d'y aller parce qu'il y a de la curiosité quand même. Nicolas, bonjour. On va parler de cet événement qui a lieu ce week-end, le 2 et 3 février 2024. Rencontre nationale en pierre, c'est plus beau et plus solide. C'est le titre de l'événement, je crois que tout est dit dans le titre. Oui, effectivement, c'est un titre assez évocateur et on va dire assez percutant. C'était l'objectif de faire passer le message autour de cette filière pierre patrimoniale qui nous unit là, ce week-end, autour des différents savoir-faire de la pierre sèche, de la couverture en loz, mais aussi de l'extraction de pierres de construction et de couverture en carrière. Alors, à l'heure où on parle de rénovation, la pierre est un élément très important en termes d'isolation? Alors, je ne dirais pas en termes d'isolation, puisque la pierre a d'autres vertus, notamment sur des questions de capacité thermique, de déphasage. Donc, elle peut amener des éléments intéressants en termes de gestion de la température au sein des bâtis et en surface de par exemple, d'aménagements urbains traités en pierre et de réverbération du phénomène d'albédo. Donc, effectivement, il y a des intérêts par rapport à ça, mais l'intérêt premier de la pierre, c'est surtout que c'est un matériau géosourcé. Et l'objectif, et notamment l'objectif que nous on recherche à travers la. Alors Nicolas, on a perdu la connexion. Alors on a perdu la connexion avec Nicolas. Est-ce qu'elle va revenir? On va le savoir dans quelques instants. Je pense que si c'est avec le téléphone portable, ça peut venir du téléphone. Que de construction et que de couverture. Alors, on ne t'a pas bien entendu, Nicolas, parce qu'il y a eu un petit problème de connexion. OK. Mais bon, on parlait de, justement, la pierre, l'isolation. Est-ce que tout ça, ça peut jouer un impact très important? On va quand même préciser que cette journée, elle est un petit peu exceptionnelle dans le sens où elle est déclinée en deux journées. Une journée destinée aux artisans, aux entreprises du BTP. Pourquoi cette journée-là spécialement pour des gens professionnels? Alors, on a souhaité effectivement organiser l'événement autour de deux journées spécifiques pour plusieurs raisons, parce qu'on veut toucher différents publics. La première journée, celle du vendredi, est une journée sous le format colloque, donc à destination de professionnels qui sont intéressés par la filière de près ou de loin, depuis l'amont, donc depuis la carrière, jusqu'au client final, c'est-à-dire le prescripteur, l'architecte, la collectivité. Et en passant par
toutes les étapes qui seront nécessaires pour la mise en œuvre de la pierre, donc notamment par les artisans. Et donc cette journée professionnelle vraiment est destinée d'une part à mettre en avant toutes les actions qui ont été entreprises depuis maintenant une dizaine d'années pour le développement de ces filières, de démontrer de quelle façon ces actions ont pu amener une dynamique dans les territoires dans lesquels elles ont été mises en place, et notamment d'un point de vue économie locale, d'un point de vue circuit court, d'un point de vue avantage environnemental. Donc l'objectif de cette première journée, c'est déjà de dresser un peu le bilan de ces actions et de montrer le champ des possibles aux différents acteurs de la filière et des territoires. Mais aussi, l'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles, on va dire, sur ce qu'il peut être fait aujourd'hui et demain autour de cette filière. Et donc, c'est de mettre en avant, en fait, tous les avantages et toutes les, on va dire, toutes les actions qui vont permettre à un élu, à un prescripteur public, à un architecte, à un bureau d'études, de prescrire la pierre sèche dans de l'aménagement public, dans du soutènement routier, dans de l'accompagnement de cours d'eau pour la gestion du cycle de l'eau, ou de prescrire de la lauze en couverture. Et on a un dernier aspect sur cette journée professionnelle, c'est de dessiner les perspectives d'avenir pour cette filière, avec l'objectif de créer une seule filière, une seule et même filière, puisqu'aujourd'hui on est plutôt un univers de filières. On a les carriers d'un côté, on a les bâtisseurs en pierre sèche d'un côté, on a les losiers d'un côté. Et l'objectif, c'est d'essayer de fédérer tout ce monde, d'intégrer les territoires, les écoles d'ingénieurs, les architectes, les bureaux d'études au sein d'un seul organisme qui pourrait quelque part porter une filière patrimoniale unie. Voilà l'objectif déjà qui est assez ambitieux de cette journée professionnelle. Voilà, cette journée professionnelle, et puis il y a aussi une seconde journée qui, elle, est ouverte, on va dire, à un public un petit peu plus large, qui va, elle, partir sur de la découverte des métiers de la pierre, parce que c'est aussi très important. Exactement. L'objectif de cette journée grand public, c'est de mettre en avant, pour nous, c'est important de communiquer sur l'existence de ces filières, de montrer qu'elles existent, de montrer que derrière, il y a la possibilité d'une part de construire, de couvrir, d'aménager avec de la pierre, que c'est accessible pour tout le monde, mais également on a vraiment un objectif d'attractivité, et notamment d'attractivité métier. Ce sont des métiers, notamment les métiers pratiqués par nos artisans, ce sont des métiers d'art manuels et qui donnent une grande satisfaction à ceux qui les pratiquent. Et on veut attirer des personnes vers ces métiers-là, des jeunes et des moins jeunes. Ça peut être des personnes en reconversion professionnelle aussi. On en a beaucoup dans ces métiers-là. Et donc, c'est véritablement aussi l'objectif de cette journée de permettre à des personnes qui sont intéressées par cette filière pour peut-être s'y impliquer professionnellement, de venir à la rencontre des acteurs, des artisans, mais aussi des gens qui travaillent sur la partie administrative, qui travaillent dans les parcs naturels régionaux, qui travaillent dans les collectivités, des agents de développement, des associations qui portent ces filières. Donc ça permet aussi d'être un lieu de rencontre pour comprendre, donner envie. Et oui, ça c'est important. Donc il y aura des conférences, des démonstrations, il y aura des stands aussi pour présenter ces fameux métiers, il y aura une exposition avec des projections vidéo, et tout ça c'est à découvrir tout au long de cette deuxième journée. Alors ça va se passer, on a un petit peu détaillé le programme, bien sûr on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on va laisser aussi le choix aux gens de découvrir un petit peu tout ça sur justement via le site internet smadugard.fr. On va parler, ça va se situer à Mende. Mende, pour que les gens se situent un petit peu sur la carte, ça se situe où exactement? Alors Mende, c'est tout simplement au centre du département de la Lozère.
Donc c'est un département de montagne, mais qui est plutôt bien desservi quand on arrive de l'ouest et du nord via la 75. C'est un petit peu plus compliqué d'accès pour les gens qui vont venir du sud, effectivement, puisqu'il faut emprunter plutôt la nationale 106 là, qui monte d'Alès. Les gens qui viennent de Montpellier peuvent arriver par la 75, c'est très facile d'accès. On a 2 heures de route depuis Montpellier. On est à environ 3 heures de Toulouse, un peu moins de 3 heures de Lyon. Donc l'accès routier est relativement aisé. Pour Commande, parce que le siège de nos associations organisatrices est situé en Lozère et qu'on est soutenu depuis le départ par les collectivités locales ici, mais également par le Parc national des Cévennes. Donc il y a une logique à ce que cet événement-là soit organisé à Mende. On précise, ça commence dès demain, vendredi et samedi. Vendredi, j'ai vu qu'il y avait une participation payante pour les professionnels. C'est de l'ordre de combien ? Alors, le billet actuellement là, sur notre plateforme de vente en ligne sur Elo Asso est à 25 euros pour l'accès à la journée professionnelle. Donc, qui inclut l'accès à toutes les conférences, les tables rondes, un kit de bienvenue, une collation café d'accueil, des collations sur les différentes pauses de la journée, ainsi qu'un apéritif dînatoire en fin de journée. Et on remet également à tous les participants, après le colloque, les actes au format numérique et notamment avec des capsules vidéo qui permettront de retracer tous les temps forts de cette journée. Et puis, pour cette seconde partie, là où on s'adresse à un public plus global, plus général, c'est gratuit, c'est payant ? Exactement. La journée du samedi est gratuite. Elle est ouverte à tous et donc n'importe qui, tout le monde peut venir. Participer à cette journée. Donc l'accès est gratuit pour aller visiter le centre de formation, pour aller faire les visites patrimoniales qui sont organisées avec nos partenaires, le CAUE de la Lozère, le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan, et avec l'Office de tourisme qui aussi est un partenaire qui travaille avec nous sur la visite de la cathédrale et de son clocher. Alors juste une précision sur les visites patrimoniales, on commence à avoir pas mal d'inscrits, on a des jauges limitées, donc c'est important, on préconise aux personnes intéressées de nous appeler, de nous contacter en amont pour se préinscrire. Et oui, parce que forcément, au bout d'un moment donné, ça risque de boucher. On rappelle, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, un événement quelque peu original, c'est pour ça qu'on vous le présente, ça commence vendredi. Et samedi, en pierre, c'est plus beau et plus solide. Je crois que là, il y a vraiment un vrai message, même en termes de marketing, qui est mis sur l'affiche. Rencontre nationale de la Lauze et de la pierre sèche, c'est vendredi et samedi. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis alors, on croise les doigts pour que le public soit au rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà pour cette interview de Nicolas qui était là. Et oui, c'est un autre style d'événement, c'est aussi important de les présenter. On va saluer Annie Simonet qui nous fait le plaisir de revenir. La semaine dernière, elle n'était pas là. On sait qu'elle est un petit peu malade, donc on pense très fort à elle car c'est vraiment une personne, nous en tout cas, on y est attaché parce que c'est une personne extraordinaire. Elle nous a reçus en Charente-Maritime d'ailleurs autour d'un bon petit plat qu'elle avait préparé. Et franchement, voilà, on pense très fort à toi, Annie. On espère que ça va aller dans le plus parce que c'est très important. En tout cas, tu nous tiendras au courant. Et puis un autre convalescent aussi qu'on va parler, c'est Sébastien Pernin. Bah lui, bah, ça y est, il reprend tout doucement et puis voilà, il va se remettre à nous proposer des nouvelles recettes avec un tout nouveau barbecue. Ça fait partie d'une toute nouvelle aventure qu'on vous fera bien sûr découvrir. Et puis l'affiche que vous voyez ici à l'écran, c'est ce week-end, le 3 et 4 janvier. Une programmation alors très riche. Tu veux dire quelque chose, Brigitte ? Février, tu as dit janvier. Ah, j'ai dit janvier. Eh bien voilà, c'est bien, oui, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ballot quand même, si les gens ils viennent le 3-4 janvier. Eh oui, c'est le 3-4 février, pardon, excusez-moi. Expo d'artistes insolites organisée par
Brigitte Nézus, elle-même double casquette, présidente aussi de l'association Mieux Vivre pour tous. Et alors là, on attaque le domaine. Alors, tu avais fait, bien sûr, le salon de l'écologie à Sainte-Croix-de-Cantières, qui a été globalement, et même le maire l'a dit, ça veut dire un succès pour une grande première. Oui, oui, oui. Oui, et là, ben, je me suis lancée dans un autre répertoire, puisque c'est une expo d'artistes insolites. Alors, il faut dire que j'ai quand même eu la chance d'avoir en partenaire l'association AGM, qui est l'association des artistes grands motois, qui organise un très gros événement artistique tous les ans, qui c'est le Salon Pyramida. Donc, c'est vrai que j'ai été beaucoup aidée sur ces aspects-là, pour la rencontre des artistes, etc. Et donc, ben, je me suis dit que dans le mieux vivre, la culture et donc l'art, la peinture, la sculpture, tout ça, ça fait partie de la culture et ça fait partie du mieux vivre. Et donc, mon association s'appelant Mieux Vivre pour tous, je me suis lancée dans l'organisation de cette expo. Alors, ça c'est très bien, on a bien tout compris. Maintenant, exposition d'artistes insolites, dans le titre. Tout est dit, mais pas que. Ça veut dire qu'il va y avoir des rencontres avec des artistes vraiment insolites, avec aussi un parrain d'honneur dont tu vas peut-être nous parler, puisqu'on a dressé aussi le portrait. Et ça, c'est important. Je fais juste une petite parenthèse. Ça veut dire que je crois que tu vas être la première à faire une exposition d'artistes insolites à Sainte-Croix. C'est une grande première. Pour une simple raison, alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'artistes qui sont revenus vers nous, qui nous ont dit « mais Sainte-Croix de Quintillargues, c'est 1100 ou 1200 habitants, pourquoi faire un salon à Sainte-Croix ?» Parce que, en gros, la culture, c'est pas que dans les grosses villes, c'est aussi faire rentrer la culture dans des petits villages. C'est ça, Brigitte, un peu l'idée. Bien sûr, tout à fait. Et puis, il y aura dans la programmation, je parlerai de Fabienne tout à l'heure, mais il y a dans la programmation aussi des cours de dessin pour enfants et adultes. Ouais. Et c'est très intéressant parce que nous sommes beaucoup soutenus, mon association est beaucoup soutenue par le directeur de l'école et donc par l'école où il y a beaucoup d'enfants. Et voilà, on a voulu faire des cours de dessin entièrement gratuits pour faire de la pédagogie aussi, faire rentrer la culture dans les petits villages et puis faire de la pédagogie au plus près avec les enfants et puis leurs parents aussi, bien sûr. Et puis, je précise quand même sur la programmation. Alors, c'est vrai que, et ça, je le dis à tout le monde, vous pouvez faire 15, 20, 30 expositions, vous allez voir de l'art, bien sûr, mais vous n'avez pas justement cette originalité qui est là, qui est présente le 3 et le 4 février à Sainte-Croix. C'est des cours de dessin, alors pas donnés par moi, je vous rassure, mais donnés par un peintre professionnel, un dessinateur professionnel qui est aussi bon dans la caricature que dans la réalisation de tableaux d'art, qui est diplômé des Beaux-Arts de Bruxelles. Et ça, c'est très important parce qu'il va y avoir des cours pour enfants, des cours pour adultes, et puis aussi leur chevalet. Alors là, c'est vraiment extraordinaire ce que tu as créé, Brigitte, c'est que les gens, artistes peintres qui viennent des environs ou d'ailleurs, peuvent venir avec leur chevalet, leur toile et leur matériel, et là, ils seront coachés par justement ce professeur. C'est vraiment bien pensé et bien imaginé quand même. Oui, tout à fait. Ben, on profite aussi, la salle de Sainte-Croix de Quintillargues est une salle très, très, très accueillante, très éclairée. Donc, je pense qu'on va vraiment mettre en valeur le travail de tous ces beaux artistes. Alors, on en a 18 qui exposent. C'est très varié. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres et c'est tous de l'art très original. Hein. C'est pour ça qu'on a dit artistes. Alors, on a une petite perte de connexion, donc je vais reprendre ce que tu as dit. Oui, c'est vraiment, voilà, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. De toute façon, il y a 18 artistes, on ne peut pas en mettre plus. Le temps de retrouver la connexion avec Brigitte, là, ça y est, voilà, la connexion est revenue. Moi, Brigitte, ce que je te propose, c'est, on va garder le portrait pour la fin, parce que le portrait, on est dans l'émotion, et tu nous parleras, bien sûr, de cet artiste à qui tu as accordé l'honneur. Ça sera l'invité d'honneur. Voilà, l'invité d'honneur, parce qu'il a une petite histoire, on va découvrir le portrait après. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être pour donner le goût aux gens,
et l'envie de venir, bien sûr, parce qu'on va vous parler aussi de ce qui va se passer avec des heures bien précises. Le diaporama synthétisé de ces 18 artistes. Et on se retrouve tout de suite après. Qu'en penses-tu ? Tout à fait. Allez, allez, on y va. On y va. Bien sûr, le diaporama, parce qu'il dure 7 minutes. Alors, bien sûr, ce diaporama, il sera projeté sur la salle, sur un écran géant, tout le samedi et tout le dimanche, pour que les gens puissent aussi regarder certaines œuvres, puisque les artistes vont exposer des œuvres, mais les photos qu'ils nous ont envoyées correspondent à d'autres œuvres aussi.
Donc, c'est très important. On va parler, on va revenir à ce qui nous intéresse. Oui. Et on ne manquera pas de passer le diaporama, bien entendu, sur Facebook. Bien sûr, il sera... Pour que vous puissiez, ceux qui n'ont, il sera demain. Ceux qui sont loin puissent regarder tout ce qui va se passer. Voilà, il sera demain en direct live. On essaiera de vous le faire passer vers 19h pour que, voilà, que tout le monde soit un petit peu au rendez-vous. Vous verrez bien sûr les 8 minutes de diaporama sans aucun souci. On va parler de quelqu'un qui nous est très important, c'est justement Fabien, qui est un artiste différent des autres artistes, c'est pour ça que tu l'as mis à l'honneur. Oui, tout à fait, puisque c'est tout bien dans le thème de mon association Mieux Vivre pour Tous. Fabien est un jeune garçon qui va, vous allez voir son portrait à la suite. Il a eu un problème de santé à l'âge de 16 ans. Il va vous expliquer tout ça, qui lui a enlevé pratiquement toute la vue. Il ne voit plus du tout d'un œil et de l'autre œil, je crois qu'il a que 50%. Et donc, il s'est mis à l'art après ce problème de santé. Que ce soit la peinture, et vous allez voir qu'il fait de très, très belles toiles, et aussi la musique, où il va vous faire aussi un petit extrait. Et aussi la course à pied. Si vous tapez son nom sur Internet, vous allez tomber obligatoirement dessus. On va écouter le portrait de Fabien. Tout à fait, tu as raison de le souligner. On va écouter le portrait de Fabien, que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur YouTube, la chaîne YouTube HTV, le live, le portrait, en intégralité. On va écouter un extrait, parce qu'il est relativement assez long aussi. On écoute. Le portrait de cette semaine nous amène chez Fabien Aussourd. Né à Montpellier, il a vécu dans le secteur du Pic-Saint-Loup. La nature a toujours été une forme d'inspiration. Entre-temps, sa vie a été bousculée, bouleversée et ses désirs anéantis. C'est à 16 ans qu'il a perdu une grande partie de sa vue suite à une tumeur. Alors, tu l'as dit, parcours de vie. Quel est-il justement ce parcours de vie ? Je suis malvoyant, mais pas de naissance. Donc, j'ai eu mon problème de vue à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai eu une tumeur au cerveau qui a compressé mes nerfs optiques, en fait. Donc, je vois plus l'œil gauche et l'œil droit la moitié. Donc, j'ai été opéré trois fois au crâne, enfin au cerveau, et donc des rééducations, des années de rééducation, et plus ou moins. Donc j'ai cru que j'allais plus jamais refaire mes passions d'auparavant, donc la peinture et d'autres passions comme la course à pied ou autre. C'est quelque chose qui m'a quand même plus ou moins... qui m'a permis de t'échapper un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Je suppose que lorsqu'il vous arrive cette épreuve-là, la famille, c'est très important, vous êtes soudés. C'est quelque chose qui me permet, essentiellement, moi, c'est mes parents, ils m'ont vraiment soutenu et donc ils m'ont permis de surmonter ce problème qui, à l'âge de 16 ans, peut choquer et peut choquer et nous amener aux enfers, quoi. Donc, j'ai réussi à m'en sortir et quand même avoir une vie plus que bien, quoi. Alors, on l'a dit, artiste peintre, mais pas que, aussi musicien au temps perdu. On va le découvrir tout à l'heure avec un petit extrait, bien sûr. On découvre en même temps qu'on échange, bien sûr, tes œuvres, tes tableaux. La question que tout le monde se pose, que les gens peuvent se poser, c'est comment on peut être déficient visuel et faire de si beaux tableaux aussi réalistes. En fait, quand je voyais encore, je faisais de la peinture, enfin, j'ai fait des... J'ai travaillé dans un artiste. Enfin, j'ai eu des profs de peinture en fait quand j'étais petit. Donc de 10 ans à 15 ans, j'ai fait de la peinture. Après, j'ai continué plus ou moins la peinture
au lycée Jean Monnet, donc où c'est qu'ils étaient un peu spécialisés en même temps sur l'art. Et donc, à l'âge de 16 ans, c'est là que mon problème est arrivé, que j'ai dû tout arrêter d'un seul coup. Le temps de me remettre et tout, j'avais perdu la vue, donc je pensais ne plus jamais pouvoir ne pou plus ne jamais pouvoir repeindre. Donc ça s'est fait petit à petit, parce qu'à l'âge de 20 ans, je me suis reconverti pour retrouver pour travailler dans la cuisine. Donc j'ai travaillé dans quelques années, enfin j'ai fait quelques j'ai fait des diplômes de peinture de cuisine pour malvoyants. Et pendant ce moment-là, en fait, j'étais en internat. Et je savais pas trop quoi faire pendant ces journées-là, en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de reprendre la peinture alors que j'étais devenu malvoyant. Et c'est vrai qu'au départ, on n'a plus du tout les mêmes. Enfin, on n'y arrive plus, quoi. C'est vrai qu'au départ, c'était justement vraiment pour me défouler, quoi. Et petit à petit, en ayant des stratagèmes la pratique et avec la vue, le peu de vue qui me restait, j'ai réussi à m'adapter et donc trouver mon style pour me faire plaisir, quoi. Et alors justement, quand tu as découvert ce monde de l'handicap, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Tu t'es dit, que tu es rentré dans ce monde-là, est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu t'es dit, il n'y a pas assez de choses de faites justement pour des gens comme moi? En fait, quand je suis rentré dans ce monde de l'handicap, j'ai quand même été bien soutenu par la Fédération des avocats de France. Donc c'est eux, parce que en fait, j'ai au moment de mon problème de vue, en fait, j'étais en S scientifique au lycée, et donc la Fédération des aveugles de France a été là pour me soutenir pour faire mes études scientifiques, en fait. Mais bon, après, c'était devenu quand même trop compliqué pour moi, j'ai pas réussi à suivre la cadence. Et depuis ce temps-là, c'est vrai que ils m'ont quand même aidé pour beaucoup de choses. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même être suivi, et c'est des personnes que je remercierai éternellement, en tout cas. Si les gens ils veulent se procurer, alors déjà pour que les gens puissent se rendre compte de ton travail, on les invite à venir le 3 et 4 février à Sainte-Croix de Quintilliard pour cette exposition Artiste Insolite, ça porte bien son nom. Mais s'ils veulent aussi découvrir ton univers, tu as une page Facebook, un compte Instagram, tu as des choses comme ça qui te permettent de communiquer? Oui, j'ai un groupe Instagram, donc Afar Peinture. Donc si ceux qui seraient intéressés pourraient aller voir quand ils auront vu l'exposition. Après, j'ai un Facebook aussi, pareil, au sourd Fabien. Et donc où c'est que je mets toutes mes actualités et donc toutes mes peintures. Et j'ai aussi des cartes que je mets très à disposition de tout le monde. Bien sûr, je discuterai avec vous. Avec grand plaisir, en tout cas. Merci Fabien. Merci à vous, en tout cas, et à week-end prochain, alors. Voilà, tout compte fait, je vous l'ai mis en entier parce que c'était, je pense que même pour lui, c'est absolument, c'est assez important et c'est absolument génial. Alors, on va bien sûr terminer sur, alors, je vous rassure, c'est pas triste, hein. Il va venir, il va faire, alors, il va nous faire des surprises puisqu'il va déjà exposer ses œuvres. Il va aussi nous jouer de la musique, ça aussi, c'est bien. Je vous rappelle que l'inauguration, Brigitte, on peut peut-être rappeler la date de l'inauguration, même si ça serait bien qu'on n'ait pas 300 ou 400 personnes. Alors, c'est samedi à 19h, donc le vernissage avec Fabien, un invité d'honneur. Et vous avez pu constater
que c'est... Je dis d'organiser ça, c'est super facile, c'est bien. Non, non, mais il y a beaucoup de travail en amont. Il y a des artistes aussi qui amènent beaucoup de matériel. Donc voilà. En tout cas, on vous fera vivre, bien sûr, cette exposition des artistes insolites grâce à nos caméras qui seront présentes sur place. On vous fera vivre aussi l'inauguration, bien sûr, avec, paraît-il, là, c'est la surprise, parce que même le maire n'est pas au courant, on va découper le ruban bleu, blanc, rouge. Oui, il paraît. Hein, il paraît. Eh ouais. Il paraît. On est comme ça, on est comme ça. Surprise, on est surprise. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à vous tous, quelque part en Occitanie. Et oui, c'était aujourd'hui, c'était jeudi. On vous embrasse très fort. Passez un très, très bon week-end. Si vous êtes dans la région du Pic-Saint-Loup ou autour, Montpellier, etc., si vous voulez passer un bon moment, discuter avec des artistes. On peut peut-être dire les horaires ? Oui, artistes insolites, oui. Les horaires, samedi, dimanche. Voilà, donc le samedi, ça ouvre à 10h et c'est jusqu'à 18h, et le dimanche, 10h, 17h. Voilà, et puis on rappelle que c'est le samedi de 10h, 18h, et juste, il nous faut une heure pour pouvoir installer, bien sûr, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire cette inauguration. Le vernissage. Et ce vernissage, bien sûr, les deux, vous allez avoir droit, ma chère Brigitte, les deux. Voilà, merci beaucoup. Aimez, likez, partagez. Je vous dis peut-être à ce week-end si vous êtes dans les parages de Sainte-Croix de Quentillargues. En tout cas, nous, on sera ravis de vous accueillir. Plein de bonnes choses pour vous. Et puis, gros bisous à Annie Simonet, entre autres. Salut, ciao, ciao, bye bye. Au revoir.